Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit Bérangère Mussard, donc en interview, qui est coach spirituel. Donc bonjour Bérangère. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Donc Bérangère qui devient partenaire de la chaîne Bien-être, donc c'est super. Et donc il va nous parler un petit peu de son parcours, hein, parce que c'est intéressant de savoir comment t'en es arrivé à devenir coach spirituel. Donc, on t'écoute. Alors, ça fait déjà 10 ans maintenant que je suis coach. J'ai d'abord commencé en tant que magnétiseur. Et c'est arrivé très de façon, j'allais dire le hasard, mais il n'y a pas de hasard au final, hein. Donc c'est pas du hasard. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais pas très très bien dans ma peau. J'avais mes enfants qui venaient tout juste de naître. J'étais pas bien dans mon corps, pas bien dans ma tête, un peu perdue. Et je cherchais une masseuse pour me remettre un petit peu dans mes énergies, dans mon corps, dans tout ça. Et en fait, en appelant la masseuse, j'ai eu un magnétiseur. Thérapeute au téléphone et qui m'a dit eh bien c'est moi que vous avez eu donc c'est moi que vous venez voir. Et je me suis dit ah ok très étrange. Donc ça a commencé comme ça. Alors j'avais eu quand même pas mal de petits signes quand même de l'univers avant ça, mais ça c'était vraiment un coup assez marquant. Et puis donc je suis allée au rendez-vous, hein, quand même. Je suis assez docile finalement à ce moment-là. Je suis allée au rendez-vous et puis j'étais en congé maternité, mais j'étais photographe avant. Et puis la première chose qu'il m'a dit, il a pris mon nom, ma date de naissance, et il m'a dit Bérangère, la photo c'est terminé. Vous êtes faite pour être thérapeute énergéticienne. Vous allez maintenant vous y mettre. Donc là j'ai fait. Ah bon? Mais je connais rien, je vois pas, faut me former, faut peut-être voilà. Et puis il m'a suivi pendant presque 6 mois, où en fait on a fait tout un travail de déblayage, déblayage sur les ancêtres, voilà, rééquilibrage énergétique, etc. Et puis au bout des 6 mois, il m'a dit bah voilà, t'es prête, tu peux y aller. Donc il m'avait rien appris quoi. Je ne savais rien faire en fait. C'était incroyable. Et puis je me suis dit, bon, voilà, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi en fait, enfin, c'est pas possible. Et quand j'ai voulu reprendre mon activité de photographe, ben, en fait, j'avais plus de contrat. Alors, pour un photographe professionnel, à moins d'être vraiment très très nul, c'est juste quand on fait des mariages, des baptêmes, ce genre de choses, c'est impossible de ne pas avoir au moins un ou deux contrats dans l'année, quoi. Mais là, plus rien. Donc, je crois qu'on m'a clairement montré que c'était terminé. Et comme je n'avais plus rien, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter, je vais tester, je vais voir, hein, on ne sait jamais. Et puis, effectivement, j'ai commencé à essayer de poser mes mains sur les gens, voilà. Je sentais rien, je voyais rien, hein. C'était pas encore complètement ouvert à cette époque-là. Et puis finalement, un jour, je vais à une réunion complètement pour autre chose, parce que c'était pour l'école, pour les enfants, pour les activités des enfants. Et je vois une dame qui fronce comme ça les sourcils en se tenant le poignet. Et puis spontanément, alors, dans la vie courante, en présence d'autres personnes, je suis assez timide en fait. Et donc, ce n'est pas du tout dans ma façon de faire que d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas pour lui attraper le poignet. Et puis, voilà, devant tout le monde, dans une réunion. Et là, je sais pas, quelque chose m'a poussée et j'y suis allée, j'ai attrapé le poignet. Et elle s'est laissée faire parce qu'elle m'a dit, mais moi, j'y crois. Donc, elle a laissé faire. Et puis ensuite, je suis allée à ma réunion et, je sais pas, peut-être 1 heure après ma réunion, elle est revenue me voir en me disant, Bérangère, il faut me laisser votre numéro de téléphone parce que ça fait des années qu'elle s'était fait opérer du canal carpien et qu'elle avait très mal, qu'elle pouvait plus tenir des ciseaux. Et elle me dit, j'ai plus rien. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, t'inquiète pas, ma cocotte, demain c'est revenu, parce que je ne voyais pas comment c'était possible, en fait. Et puis en fait, non, ce n'est jamais revenu. Et elle a été tellement convaincue que, en fait, elle m'a envoyé tout le monde, tous les gens qu'elle connaissait. Trop bien. Et en à peine 6 mois, j'avais une clientèle et ça fonctionnait. Donc au départ, c'était très compliqué pour moi d'arriver à gérer
le fait que je ne sentais rien, je ne voyais rien, je posais les mains où on me disait que les gens avaient mal. Oui. Et puis, 3 jours après, ils n'avaient plus rien du tout, quoi. Waouh. Donc, c'était très perturbant pour moi. Mmh. Et progressivement, à force de faire, j'ai commencé à avoir des sons, des images, des ressentis. Mmh. Et puis, bah, ça a été un engrenage où je suis allée me former aussi. Hein. Je me suis formée en tant que magnétiseur, je me suis formée à la numérologie, je me suis formée à la PNL. Enfin, voilà, après, j'ai ouvert largement pour avoir aussi beaucoup de connaissances, plus pour moi que pour de la technique. Oui. Je ne ressentais pas le besoin d'avoir une technique particulière parce que je me laissais guider vraiment dans mes soins et je sentais et j'avais les informations. Et puis, en fait, d'avoir des symboles, des références, des connaissances, nouvelles et ancestrales, eh bien, ça me permettait de me sentir peut-être plus légitime aussi avec cette connaissance. Mmh. Et puis d'ouvrir ma médiumnité. Vraiment génial. Donc ça a été des débuts un peu étranges. Bon, même s'il y avait eu avant pas mal de signes qui avaient été quand même déjà révélateurs, mais que j'avais complètement occulté parce que c'était pas le moment sûrement pour moi d'ouvrir tout ça. Mmh. Et puis c'est vrai que maintenant au bout de 10 ans, ma pratique et ma façon d'être n'a plus rien à voir avec qui j'étais à ce moment-là. Aujourd'hui, effectivement, je vois, j'entends, je ressens. J'ai une autre approche du corps, de l'esprit, de l'énergie. Mm-hmm. Et donc, ça m'a permis d'ouvrir... Moi, je me définirais comme passeuse d'âme. Ah oui, parce qu'en fait, pour moi, le passeur d'âme, c'est pas spécifiquement celui qui fait passer... c'est pas l'homme du Styx hein, qui fait, sur sa barque qui fait passer le mort dans l'au-delà, l'être humain dans l'au-delà. C'est pas juste ça, c'est vraiment un état de passage, c'est-à-dire accompagner l'autre dans un passage de vie. Donc ça peut être un passage de l'état de chômage à l'état de travail, de l'adolescence à l'âge adulte, d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Effectivement, ça passe aussi par du passage d'âme au sens de faire passer quelqu'un qui est un défunt, le faire passer dans la lumière. Mais en fait, souvent les gens qui viennent me voir sont dans l'ombre et je les fais passer dans la lumière tout en restant en vie en fait. Oui, je vois. Voilà, donc, d'accord. Je trouve que globalement, ça définit assez bien qui je suis et comment je travaille. D'accord. Ok. Voilà. Ok, c'est super de connaître ton parcours comme ça et de se rendre compte un petit peu des étapes. Voilà, qu'il y a des étapes à franchir et effectivement, ça vient pas tout seul et comme ça et c'est tout un travail, au final, c'est tout un potentiel qui était là et qui est en toi et que tu as développé progressivement et qui est là depuis un certain temps maintenant et c'est génial. Mais comment tu accompagnes les personnes, alors, tes patients aujourd'hui? Est-ce que alors, tu as des outils ou c'est juste de la guidance? Comment tu fonctionnes? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs facettes à mon travail. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette partie corps, magnétisme, accompagnement à travers le corps, soit par des massages, soit par des soins magnétisés. Parce que parfois, il faut aller chercher, ça dépend du niveau de conscience et d'éveil de la personne qui vient à moi. Et parfois, il faut passer par le corps pour amener à une conscience. Et parfois, il faut d'abord discuter, amener la conscience pour ensuite aller chercher dans le corps. Ouais. Donc, j'ai encore cette partie de magnétisme, soins énergétiques, massage, on va chercher dans le corps les différents points, on travaille sur les circuits énergétiques, etc. Oui. Et puis, il y a aussi toute une partie, effectivement, guidance. Donc moi, j'ai tout regroupé. Avant, il y a encore l'année dernière, j'avais fait des petites catégories bien rangées dans des petites cases. Donc je faisais de la lecture akashique, du nettoyage, passage d'âme, nettoyage de maison énergétique, etc. De la guidance, message des guides, etc. Et coaching. Et puis maintenant, là, cette année, j'ai tout réuni. Parce que dans une séance de guidance, eh bien, face à une problématique, on va avoir besoin
du côté coaching très ancré, matériel, concret. On va avoir besoin peut-être d'aller voir le lien avec une vie antérieure pour pouvoir dénouer certaines énergies, certains liens, certains blocages. Et puis, on va avoir besoin aussi des messages des guides pour ouvrir vers les potentialités et vers une compréhension supérieure. Donc aujourd'hui, mes séances de guidance, elles comprennent tout ça, en fait. Ok. Voilà. Ok, donc tu as tout réunifié et aujourd'hui, donc, on t'appelle coach spirituel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, super, super. Est-ce que sinon, tu as des valeurs particulières ou pas du tout? Tu fonctionnes vraiment au ressenti en fonction des personnes ou est-ce que tu as en filigrane quelque chose qui te tient à cœur dans ta manière de travailler? Ce qui me tient vraiment à cœur dans ma manière de travailler, c'est d'être toujours capable d'accueillir l'autre tel qu'il est. Donc pour moi, ce qui est le plus important, c'est de savoir rester dans le non-jugement, que ce soit en face de la personne qui vient me voir ou des personnes dont elle me parle. Parce que justement, toute cette partie coaching, c'est une partie réflexive. Donc, dès qu'on rentre dans la réflexion, on rentre dans le mental, ce qui n'est pas négatif, mais parce que le mental est utile à la spiritualité, mais dès qu'on est dans le mental et dans la réflexion, on se retrouve confronté, au regard de notre vécu, au regard de plein de choses, à des biais cognitifs qui font qu'on va poser des jugements de valeur sur telle ou telle situation, alors qu'en fait, on a seulement un son de cloche qui vient. Exactement. On n'a pas la globalité, la vue à 360 degrés de ce qui est en train de se passer. La médiumnité permet d'avoir cette vue beaucoup plus large sur l'infini des possibilités. Donc, c'est essentiel pour moi de toujours garder cette ouverture et cet accueil. Ça, c'est quelque chose que je mets vraiment en place avant d'accueillir la personne que je reçois. Oui. Et ensuite, je n'ai pas de protocole. Ok. J'ai pas du tout envie de me laisser enfermer. J'ai des outils qui sont comme un sac à dos dans lequel je peux puiser en fonction du besoin. Mais je laisse vraiment le ressenti, l'écoute fine des énergies de l'autre en fonction de ce qu'il a besoin à ce moment-là, de ce qu'il est capable d'aller toucher lui-même à ce moment-là. Parce que dans ma pratique, l'important n'est pas d'aller dire, ben voilà, c'est comme ça, les guides disent ça, il faut faire ça, etc. Mais en fait, d'avoir un échange physique, donc verbal, on va dire, et émotionnel aussi, parce que c'est important de libérer l'émotionnel, et énergétique, qui permette dans cet échange que la personne qui vient puisse au maximum trouver ses réponses par elle-même. Tout à fait. Et que le coup de pouce que moi je vais donner, eh bien, je ne vais pas le donner comme une affirmation, c'est comme ça, puis c'est tout, mais vraiment en montrant la voie. C'est pour ça que je parle de passeur, parce qu'en fait, c'est vraiment, je tiens la main, et puis on y va ensemble, et puis on regarde ensemble, et puis voilà, c'est vraiment cet espace de, certains diraient de co-création, mais finalement, c'est ça, c'est-à-dire qu'ensemble, on y va, quoi. Et tu as un guide d'une certaine manière aussi, tu guides les gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, super. Super. Donc, tu peux nous dire dans quelle région tu te trouves, dans quel département tu te trouves, dans quelle ville? Alors, je me trouve en Dordogne, à Piégut-Pluviers. Donc, c'est un petit village dans le nord de la Dordogne, en Périgord vert. Où on mange très bien, où on a des forêts magnifiques, où on ramasse les châtaignes en ce moment. Et donc, on se régale. Voilà, c'est très accueillant. J'avais vraiment besoin d'être dans un espace vert et calme de campagne. J'ai fait énormément de villes avant, mais c'est vrai que d'ailleurs c'est au moment où je suis arrivée en Creuse, donc c'était encore plus désertique entre guillemets que là où je me trouve aujourd'hui, mais c'est quand je suis arrivée en Creuse que ça s'est ouvert pour moi. Donc j'ai un cabinet dans le centre-ville de Piégut, on est quoi, 1006, 1008 habitants, et
et où je fais mes soins, où je fais mes rendez-vous, où je fais les formations et les ateliers aussi, parce que je suis formatrice en même temps. Et où, quand, dans le peu de temps libre qu'il me reste, je tiens une petite boutique ésotérique pour continuer le conseil. Est-ce que tu peux nous parler de tes formations et de ta petite boutique? Oui, bien sûr. Alors, je fais beaucoup de formations en ligne. Donc, y a des formations qui sont plus du coaching quand on veut aller travailler l'estime de soi, le respect de soi, l'amour de soi, etc. Et puis, il y a des choses, des formations plus longues et plus spirituelles, plus énergétiques, où justement, j'apprends à développer la médiumnité, à comment est-ce qu'on fait pour, comment on fait une lecture akashique, comment on va dans cet espace pour accueillir une vie qui pourrait nous aider à débloquer certaines choses dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, j'ai tout un panel de formations en ligne qui sont disponibles et qui permettent d'aller travailler plusieurs choses, à la fois spirituelles et humaines. Et puis, je fais aussi des stages notamment lecture akashique, médiumnité et magnétisme. C'est vraiment les trois formations où je reçois les gens et pendant 2, 3, 4 jours, en fonction des formations, eh bien, je leur permets d'ouvrir leur capacité et de ressentir, d'aller dans une finesse de l'écoute de soi, en fait, pour ceux qui veulent ouvrir plus. Et puis, c'est vrai que là, depuis un mois, parce que ça fait pile un mois maintenant, j'ai ouvert ma petite boutique ésotérique. Donc, il y a des pierres de lithothérapie, des tisanes ayurvédiques, des choses comme ça. Donc, ça, ça permet du conseil, de l'écoute, un échange. Voilà, je trouvais que c'était important parce que je me suis rendu compte que dans ma pratique au cabinet, au final, j'avais tendance à être relativement enfermée parce que j'enchaîne les rendez-vous toute la journée. Et finalement, c'est intéressant, hein, c'est très chouette d'avoir ce lien exclusif avec quelqu'un pendant une heure à discuter, à découvrir, on apprend plein de choses. Mais il n'y avait pas ce côté plus léger, conseil, découverte, échange, qui ça laissait plus la place à ça. Et donc, la boutique me permet ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis, à côté de ça, comme j'ai besoin, parce que je suis pas mal là-haut, j'ai besoin aussi d'être pas mal ancrée, eh bien, je crée des bijoux vibratoires. Donc, je crée des bijoux, je crée des orgonites, des pendules. Je les fabrique moi-même. Et donc, je travaille la résine et je travaille l'argent. Et donc, ça me permet, cette boutique, bien, de vendre mes pendules, mes orgonites et mes bijoux, les créations que je fais, en fait. Voilà. Formidable. Et en fait, tout ce que tu crées, on peut le trouver uniquement dans ta boutique. Tu n'as pas de vente en ligne pour toutes tes créations. Alors, si, parce que j'ai créé une petite marque qui s'appelle Nebulae Création. Et donc, sur le site de Nebulae Création, donc nebulaecreation.fr tout simplement, il y a les orgonites, les pendules et les bijoux que je crée. Génial. Ils sont à chaque fois donc c'est artisanal et puis c'est surtout à chaque fois des pièces uniques parce qu'à chaque fois c'est un bijou qui finalement est canalisé, donc il y a à la fois l'énergie qui est canalisée et en même temps le côté très matière de la création qui me permet d'être posée et c'est un joli mélange entre la matière et finalement les messages que tu peux avoir et canaliser. Tout à fait. C'est un joli mélange, donc je vous invite à aller regarder son site, toutes ces petites créations aussi, hein, ça peut être intéressant et pourquoi pas vous en procurer, je pense que ça vous fera du bien. Donc est-ce qu'on peut aussi te consulter, hormis tes formations, est-ce qu'on peut te consulter à distance aussi ou pas du tout? Oui, tout à fait. Là, c'est un deuxième site, du coup, c'est sur le site de mon activité principale, donc c'est passeurenergétique.fr et là effectivement je fais des séances par téléphone, par Skype et donc parce que le coaching, la guidance, on peut effectivement lorsqu'on se voit
on voit les énergies. Même par téléphone, on ressent aussi la personne. Il y a une façon de se connecter qui permet d'avoir le ressenti, les informations, etc. Donc, on peut travailler à distance. Et j'ai des gens dans le monde entier. J'ai des gens qui sont au Canada, en Suisse, en Indonésie. Et, ah oui. Ah oui. Et qui me consultent. Et ça, à chaque fois, je trouve ça magique. Ah parce oui. Que, tu m'étonnes. C'est vrai que. Ah oui. Ils voyagent en même temps. C'est ça, c'est ça. C'est rigolo. Bon, mais donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, surtout, n'hésitez pas à consulter Bérangère, surtout en ces temps difficiles. Donc, vous pouvez la consulter à distance. Vous pouvez également vous procurer ces petites créations, que ce soit des bijoux ou des orgonites, à distance. Donc, il faut en profiter, hein, profitez-en bien. N'hésitez pas donc à aller sur notre site internet bien-du-6-être.tv afin de retrouver toutes les informations concernant Bérangère dans notre espace Bon Plan Partenaire et pour retrouver ses coordonnées hein, qui s'affichent d'ailleurs sous Bérangère. N'hésitez pas surtout. Et sur l'application, vous la retrouverez également puisqu'elle va, elle devient partenaire, hein, elle est partenaire de la chaîne, donc dans son espace dédié sur l'application, vous la retrouverez avec tous ces petits contenus et donc je pense que ça va être très 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 intéressant, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Bérangère pour ce partage. Merci beaucoup, Sandra. Avec plaisir. À très bientôt, à bientôt, téléspectateurs. Au Au revoir. revoir.